Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur chaste de Saint Joseph. Ravi de vous retrouver avec notre rubrique matinale Saints et Café. Aujourd'hui, c'est mardi 22 octobre, et l'Église célèbre, je dirais avec joie et gratitude, à la Très Sainte Trinité, la fête liturgique de Jean-Paul II. Ecco, une gratitude aussi à la Vierge Marie, qui a envoyé ce pape. Il a vraiment été le pape de Marie pendant 26 ans, ce géant polonais, cet homme libre, charismatique, qui a pu accepter de guider l'Église pendant 26 ans en subissant environ 14 attentats de la part des puissances fortes du monde, le plus spectaculaire d'entre eux, comme je l'écris dans mon livre « Église, où vas-tu ?» En racontant les détails, c'est ce dont nous nous souvenons tous du 13 mai, jour de la Vierge de Fatima, 1981, sur la place Saint-Pierre, quand trois balles l'ont touché et nous sommes tous restés en suspens, et la Vierge l'a ensuite sauvé, le pape du Totus Tus. Évidemment, nous ne pouvons pas ici, en quelques mots, évoquer quel est l'héritage, la trace de Jean-Paul II, tandis que défilent les images inoubliables des moments les plus marquants de son pontificat. C'était un pape de Marie accompagné par la grâce de l'Esprit-Saint. Jean-Paul II a été le pape qui a pris le Concile Vatican II. Ce sont ses mots comme boussole, a-t-il dit, de mon pontificat. Et ici, peut-être l'image la plus emblématique, voilà, ensemble, les deux témoins de l'agneau. Les géants sur les épaules desquels nous, petits et nains, marchons, Jean-Paul II en avion lors de l'un de ses voyages pontificaux, accompagné de l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Joseph Ratzinger, qui sera son successeur. Jean-Paul II l'a désigné lui-même. Regardez ses sourires sereins, détendus, sincères. Il n'y a aucune fausse note, aucune hypocrisie, car les deux s'entendaient. Extrêmement d'accord. C'était une complicité, une sorte de lien surnaturel voulu par le ciel. Giovanni Paolo II a été un pape qui a vécu sa vie d'abord et ensuite son temps de pontificat pendant 26 ans, du 16 octobre 1978 au 2 avril 2005. Il a vécu son pontificat avec ce fond marial. Totus tus, totus tus. Ces interventions initiales sont inoubliables. N'ayez pas peur, ouvrez en fait, grandissez les portes à Christ, et ensuite, toutes ces autres initiatives extraordinaires, percutantes, charismatiques, peut-être celles dont nous aimerions particulièrement nous souvenir avec émotion. Les moments et la journée mondiale de la jeunesse. Il avait une emprise sur les jeunes, le cher Jean-Paul II, extraordinaire. Les événements de sa vie l'ont ensuite conduit à la maladie au cours de la dernière décennie de son existence. Une maladie invalidante, une maladie douloureuse, visuelle aussi. Il y a des maladies, des souffrances, des épreuves que Dieu ne révèle pas et d'autres qu'il révèle. Jean-Paul II a contracté la maladie de Parkinson. Nous savons tous comment, peu à peu, son corps qui était si athlétique et sportif est devenu un corps souffrant, exhibé, manifesté aux yeux du monde comme Jésus sur la croix. Il a dit Jean-Paul II, on ne descend pas de la croix. Et nous voulons nous souvenir de ces dernières paroles, les premières. N'ayez pas peur, ouvrez même grand les portes à Christ. Si nous voulons encore celle d'avant, c'est-à-dire le jour même de l'élection, quand il a dit « Avançons, confions tout à notre Sainte Vierge », et puis nous voulons nous souvenir de ces dernières paroles prononcées et murmurées à l'oreille de Sœur Tobiana, Mère Tobiana, qu'il a accompagnée en tant que sœur assistante pendant pratiquement toute sa vie. Elle l'appelle du regard, elle comprend, en pleurant elle s'agenouille, elle comprend vraiment qu'elle a été pour elle une mère, une fille, une sœur. D'amie confidente, il est temps. Elle retient ses larmes, comme elle le racontera elle-même. Et Jean-Paul II parvient à trouver un fil de voix pour prononcer ces mots sublimes,
que seul un homme de Dieu qui a une orientation vers Dieu peut dire. Laissez-moi aller à la maison du Père. Laissez-moi aller à la maison du Père. Voici, c'est Jean-Paul II, un Jean-Paul II aujourd'hui presque oublié. Je m'étonnais, mais je le vis sur ma peau. La dernière sortie a produit une trahison inattendue. Inattendue non seulement parce qu'imprévue, mais inattendue parce qu'infondée. De gens de la première heure, mais peu. Grâce à Dieu, cependant, ils font souffrir, parce qu'on explique les choses et on dit, « Mais alors cela était avec nous, mais ils n'étaient pas vraiment des nôtres. » Parce que de l'autre côté, on continue à s'obstiner à dire, « Il faut que vous alliez aux messes. » On m'a dit qu'il a dit ces choses-là de l'autre côté. L'autre rive, « Il faut que vous alliez aux messes. » Les messes sont valides. Bergoglio n'est pas le pape. Mais c'est l'Église catholique. Il faut sanctifier les fêtes. Le moment d'urgence est terminé. Puis tu trouves une fidèle. Je serai sur le point de donner son nom, mais je préfère ne pas. Qui m'était très cher, je crois, piémontaise, qui écrit ces jours-ci, Domi Minutella n'accepte pas le débat. Comment je refuse le duel? C'est comme quand ils disent que je suis possédé. Bon, je dois dire que je dois avoir beaucoup de patience, vraiment beaucoup. Je n'accepte pas la confrontation, mais je n'ai pas dit à Père de se voir, de se rencontrer. Donc, je n'accepte pas les gouvernements. Et cette fidèle part, car je refuse d'autres voies. Comment je ne permets pas d'autres directions? Mais celle-ci n'est-elle pas une autre direction parallèle à celle-ci que l'on peut rencontrer? Mais qui a pensé que cette ligne pouvait se croiser? Il ou elle est stupide, cette personne qui a écrit ça. Elle est sûrement stupide, une vraie idiote. Ou alors elle était déguisée et camouflée. Parce que c'est l'opposé de ce qu'on dit depuis des années. Donc si quelqu'un est avec nous, il doit pouvoir dire, « Écoute, moi je te garais, t'étais qu'un bruit pour rien », disait un film. Et puis, moi c'est comme avec Don Minutella. Don Minutella est un dictateur. Le problème c'est toujours Don Minutella. On ne se rend pas compte que c'est le diable qui ne veut pas que Don Minutella atteigne l'objectif qu'il atteindra. La Vierge le pousse. Il est bon que je le dise aujourd'hui lors de la fête de Jean-Paul II, quand le cardinal Wyszyński l'appela « Dominus ici est evocate ». Le Seigneur ici lui dit « Wyszyński », mais ce sont les cardinaux qui lui ont demandé cela, quand les retours de vote étaient déjà tous plutôt concentrés sur lui. Et il lui a aussi dit que tu devrais introduire l'Église dans le troisième millénaire. Essayez de le tirer. Ils ont essayé de l'éliminer, etc., etc., etc. Giovanni Paolo II, le pape de Marie, et c'est une menace contre tous les ennemis, c'est la première fois que je l'envoie. C'est vraiment une menace. Faites attention parce que Don Minutella est envoyé par la Vierge. Et surtout, malheur à qui dit que Don Minutella est possédé, comme le père Tognetti. Fonctionne? Eh bien alors, celui-là fait l'offensé. Celui qui veut maintenant créer le nouveau petit reste n'y parviendra pas. Comme vous le verrez, c'est toute une bulle de savon. Au final, c'est le confondisme, le pire de celui de Vigano, voire même pire. Benedetto Monseigneur Vigano, qui au moins a pris une ligne précise, c'est le néo-confudisme absolu. Je suis désolé qu'il y ait des personnalités qui se disent journalistes sérieux, qui au premier chant de la sirène ont abandonné Don Minutella pour suivre. Avec enthousiasme, je l'invitais à la première conférence. Alors il s'était mis d'accord. Alors il y avait un prix à qui est derrière tout ça. Alors Don Minutella écrit à cette fille, qui d'ailleurs écrit que c'est pas suffisant. Ils m'ont envoyé les commentaires. C'est pas suffisant la dimension mystique. Mais pourquoi j'ai fait que de la mystique? Êtes-vous crétin? Vous avez raison de partir. Vous avez raison de partir. Vous êtes ceux qui, comme dans l'histoire de Gédéon, qui hier soir est allé voir l'insurmontable Don Enrico, comme nous allons le voir maintenant, a raconté que quand Dieu dit non, vous devrez être peu nombreux, car sinon vous penserez que la victoire est à vous. La victoire est à moi, pas à vous. Dites qu'ils boivent, qu'ils boivent. Souvenez-vous de ceux qui buvaient comme les chiens. Dieu a dit de ne pas les emmener avec toi. Même chose ici. Sélection continue. De gens qui semblent des nôtres, qui lèvent les drapeaux, et ils n'ont rien compris du tout
à la réflexion théologique. Un a écrit, nous du Piémont, de la région du Piémont, nous faisons des spectacles de prière, mais nous, prêtres du Sodalizio, que diable sommes-nous pour vous? Obéis-nous. Nous sommes les guides du petit reste. Vous devez nous obéir, sinon c'est l'anarchie. Nous avions dit pas de cénacle de prière non autorisé, car vous êtes laïcs et suivez votre chemin. Voilà, la mystique de Don Minutella ne suffit pas, parce que je parle de mystique. Je crie sur la théologie depuis 8 ans, 2 fois théologien. Voici le dernier novice lombard. Et voilà, la vérité est arrivée. C'est toujours comme ça. Maintenant, ça va finir pour nous. Et le diable en suscitera une autre de trame. Et alors d'autres iront avec le dernier qui arrive. Parce que la dimension politique, la dimension institutionnelle a été négligée. Ah oui, la dimension institutionnelle a été négligée, mais parce que c'est l'Église du Christ. Mais si c'est l'Église du Christ, nous fermons boutique. Et donc, inutile que le journaliste enthousiaste de la dernière sortie, et dit que si les cardinaux font quelque chose, parce qu'il sait ce que je lui ai dit, bien si les cardinaux feront quelque chose avant le conclave, mais de ce pseudo-conclave, nous serions les premiers à y aller, les premiers à dire merci. Notre sacrifice n'est pas vain. Donc cette diatribe est complètement infondée. C'est une chose d'une stupidité absolue. Et pourtant, c'est Don Minutella qui ne veut pas dialoguer. Celui que j'ai invité à un débat public dit non. Mais c'est Don Minutella. Diable intrigue. À mon avis, on en arrive à un contrôle mental de ces gens qui manifestement ne prient pas. Nous avons des gens superficiels ici, ceux qui boivent ainsi. Dieu ne les veut pas. La Vierge ne rigole pas, mes chers enfants. C'est un projet surnaturel et les preuves sont là. Comme Père Tognetti ou d'autres qui disent que je suis possédé. Eh bien, si le démon invite à travers le pauvre possédé Minutella à réciter 3 chapelets par jour, je ne crois pas qu'il y ait eu un prêtre en Italie au cours des 40 dernières années qui ait autant insisté sur l'apostolat du chapelet. Je trouve, hein, combien de gens, même des hommes, ont redécouvert des familles, des jeunes, des personnes âgées, même des vieilles dames qui ne priaient plus. La force du rosaire avec cette insistance de Don Minutella, c'est le diable. Alors comme le dernier père, le père Lombard, qui arrive pour annoncer de manière spectaculaire la nouveauté, la nouvelle vérité, et il y a des gens qui attendaient enfin cela, donc ils n'étaient pas des nôtres, ils refusent le dialogue, mais c'est Don Minutella. Je m'en vais parce que Don Minutella ne se confronte pas. Mais j'ai demandé le débat. Mais alors, tu es vraiment une idiote, tu n'es pas dans ton bon sens, ou alors vraiment tu as subi un lavage de cerveau. Regardez, je me fâche, mais je ne me fâche pas contre moi-même. Vous ne me connaissez pas, personne ne me connaît vraiment. Je me fâche pour les âmes, parce que je donne ma vie comme peu de gens le font en ce moment dans le monde. Et je vois déjà depuis que j'étais prêtre comment le diable travaille dans l'esprit, parce que puis, et tu dis, mais comment est-il possible que je... Cette âme qui me suivait écrit que je pars, car Don Minutella n'est pas dispo pour parler. Mais comment? C'est le père Tizio qui ne se rend pas disponible. C'est lui qui a dit non au débat public. Je pars parce que Don Minutella, c'est comme ceux qui disent qu'il est possédé par le diable. Alors j'ai demandé à Père Tognetti, tu as fait une affirmation très grave, cher Père. Toi qui fais le saint. Tu es saint et je suis possédé, d'accord? Tu es avec Dieu? Je non. Tu guides des âmes au Seigneur? Je non. Et tu crois? Je non. Tu fais pénitence? Je suis mondain. C'est bon? Mais je t'implore. Je t'ai imploré. Tu commets un péché grave. Tu as calomnié, tu as offensé. Je t'ai demandé de nous voir et tu me fais l'exorcisme. Et il ne me répond pas. Alors ça marche comment? Tout à toi, Marie. Totus tous, Marie. Les francs-maçons savent comment jouer leurs cartes, y compris ce casino incessant qui en finit une et en commence une autre. Non, ce n'était pas organisé tout ça. Don Minutella dit de ne pas aller aux messes avec le pape François. C'est un acte schismatique. Vous faites un péché mortel si vous le savez. Et vient le dernier théologien lombard et les gens qui étaient avec nous depuis des années s'en vont maintenant là-bas.
Vraiment, on reste sans voix et on pense à comment Moïse dans le désert a dû patienter avec ces Juifs qui se sont échappés. Il se retournait souvent. Pour 18 fois, il me semble que la Scripture dit qu'ils se sont opposés à Dieu. Ils ont défié Dieu avec le pauvre Moïse, qui à un certain moment a même perdu patience, le pauvre. Ils l'exaspérèrent tellement. Ils l'ont exacerbé, dit le texte latin. Ils l'ont exacerbé. Ils l'ont exacerbé. Ils l'exaspéraient. Parce que pendant 18 fois, ceux qui avaient vu les prodiges en Égypte savaient bien que Moïse était l'envoyé de Dieu. Et ils ont traversé la mer Rouge, la Marda, les oignons d'Égypte. Mais jusqu'à peu avant d'entrer, ces malheureux qu'ils étaient, dans la terre promise, ils ont tout perdu. Parce que le Seigneur s'est fâché. Je me suis dégoûté, dit l'Écriture, chaque matin, le texte de la liturgie de cette génération, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau, est resté, je le fais en latin, je me suis dégoûté de cette génération. J'ai dit que je suis un peuple au cœur perverti. Et ici, avec le petit reste, avec tant du petit reste, ça va comme ça. Dès que le premier siffleur arrive, le premier joueur de flûte, organisé avec des intrigues inattendues. Parce que si tu ne pries pas, ma fille, tu ne peux pas être à mes côtés, car le diable veut que je reste seul. Les confrères, c'est son délice. Il résiste à cette attaque barbare contre moi, parce qu'il prie et me voit de la bonne manière. C'est-à-dire, pas un homme parfait, plein de défauts, parce qu'il semblerait que ce soit moi qui ai tous les défauts, vu qu'ils sont toujours soulignés, comme quelqu'un l'a écrit. Dom Minutella guide, même avec ses défauts. Pourquoi faut-il être sans défauts? Je ne sais pas, mais pourquoi au ciel on ne peut y aller avec ses défauts? Mais parfois, Dieu laisse les défauts pour mieux valoriser son œuvre. Quoi qu'il en soit, voilà, tout cela pour vous dire, mes chers, que toute la situation que nous vivons est un désordre inutile qui renforce les ennemis, et tout cela est un complot maçonnique. Je n'ai plus de doute, car les ennemis triomphent. Ensuite, l'attention médiatique sur cette révélation. Alors que Dom Minutella enseigne depuis des années, personne n'en parle. Dom Minutella n'existe pas. Rassemble les salles d'hôtel avec 2, 3, 4, 4 000, 5 000, des personnes qui ne sont qu'une partie de ceux qui peuvent venir. Et rien, personne n'en parle. Quand on parle de Dom Minutella, il y a des poursuites pénales, des violences sexuelles, on vole de l'argent, on construit des villas, et je dois aller dans les tribunaux pour me défendre, mais personne n'en parle. Compris? Nul n'en parle. Que voulez, cher? Je vous attendrai ensuite tous à l'entrée du ciel, un par un. Il faut sauver l'Église, la vraie, avec le petit reste. Nous sommes ceux qui gardons la foi. Bien, alors, c'était toute une introduction pour honorer quand même Jean-Paul II, qui est l'un de mes modèles. Je résiste parce qu'il a résisté, vous savez. Giovanni Paolo II, sans doute qu'il fut pesamment gêné, terriblement gêné, mais avec le chapelet à la main, avec le chapelet à la main, cet homme-là regardait la Vierge. Vous vous souvenez quand d'ailleurs, lors de la messe, je vous présente tous au Seigneur. Aujourd'hui, je célèbre justement la messe de Saint Jean-Paul II, du bienheureux Jean-Paul II. Je disais que quand on lui a enlevé la voix sans lui dire, je trouve cela un acte. Je trouve ça injustifié. C'est-à-dire, oui, la trachéo, mais le patient est conscient, c'est vrai qu'il est âgé, mais pourquoi pas lui dire? Giuseppe, dirons-lui, c'était juste avant l'opération de... Ils ne l'ont pas dit, cet homme saint s'est senti trompé. Il s'est senti trompé. Qui avait-il derrière? Regardez, ils l'ont suivi jusqu'à la mort. À propos de ceux qui disent que c'est l'Antéchrist, celui qui est là à sauver l'Église. En fait, du temps. Et lui, il a pris la tablette. Souvenez-vous, en parlant, il a vu qu'on lui avait ôté la voix. C'est là qu'il a dit au Seigneur, « Prends-moi ». Il a pris une planche et écrit, « Qu'avez-vous fait ?» Il n'était pas informé. Cependant, je reste toujours Totstus. Il a écrit sur la tablette avec sa main. Il a pensé à la Vierge. Il a cherché la Vierge. Il marchait avec la Vierge comme moi. Et comme lui a marché avec la Vierge, et en tant que saint pape a guidé l'Église du deuxième au troisième millénaire, Dom Minutella, choisi par la Vierge, envoyé par Dieu,
marche avec la Vierge et guide le petit reste dans le témoignage de la véritable foi catholique contre la fausse Église des ténèbres, qui, avec toute la paix du dernier théologien lombard, est l'Église de Satan. Voici, hier soir, maintenant nous allons au titre de l'épisode d'aujourd'hui, qui s'intitule « Le sodalizio », le statut et la question sur la fausse Église. Un peu certaines choses, nous les avons déjà dites, mais avant cela, statut, s'il vous plaît, avec un S majuscule parce que c'est un document. Mais avant de parler de cela, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est mardi. Alors ce soir, il y a le mardi bellico. Ne manquez pas l'épisode de mon livre « La fausse Église et son destin ». Vous pouvez demander une copie si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas encore, en réédition auprès du secrétariat de Radio Domina Nostra. Et puis partagez le post que la régie vous montre maintenant, parce qu'aujourd'hui, l'épisode est absolument, je dirais, pertinent. Ce n'était pas prévu. Mais dans la situation de ceux qui s'en vont, parce que Don Minutella est seulement un mystique. Mais comme mystique, je vous ai enseigné l'ABC de la foi, infâme malheureux que vous êtes. Mais partez, partez en enfer, car vous le méritez. Mais pas parce que vous attaquez Don Minutella, parce que c'est à la mode maintenant. Vous irez en enfer parce que vous tournez, surtout vous de la première heure, le dos à la vérité. Dès que le dernier qui parle arrive, même ceux qui sont proches m'écrivent, mes pères disent des choses justes. J'ai vu cela, c'est une douleur toujours immense. Je remercie ceux qui m'ont tout de suite dit, père, je suis avec elle, je ne vois pas clair. Il y a toujours la volonté de la dépasser. Se tourner le dos à la vérité, c'est très grave. Parce que ma position, qui grâce à Dieu, est maintenant partagée par mes confrères du sodalizio, est la plus nette, la plus claire, celle qui dit que Bergoglio n'est pas le pape selon les lois de l'Église, mais qu'il est aussi le maître d'œuvre de l'Église de Satan, qui s'est installé à Rome pendant que Dieu prévoyait que la foi chrétienne survivrait dans un petit reste que nous guidons. Donc, ce soir, le titre de l'épisode de Mardi Bellico, absolument intéressant, ne le manquez pas, il s'intitule « La grande prova et la séduction finale ». Vous allez voir un épisode partagé, plus que jamais la communauté. Maintenant, mettez-vous au travail, faites circuler les vidéos, mettez des likes, abonnez-vous et faites-vous abonner à la chaîne. Il y a des gens qui sont venus, ça m'a beaucoup frappé à Florence. Une personne a dit « Je suis nouvelle, c'est la première fois que je viens » parce qu'ils écoutent, tu partages, compris, mets le like. Il y a des gens qui t'écoutent pour la première fois. Parce que la censure, comme vous le voyez, le dernier Lombard qui arrive, tout le monde en parle. Don Minutella crie ces choses depuis des années, parce qu'il a tout pris de moi. Il a tout pris de moi, et pourtant il y a des nôtres qui sont restés émerveillés. C'est un sophisme satanique, si ce n'est pas ça le sophisme satanique. Il y a des gens de la première heure, disons qu'on peut perdre celles qui viennent d'arriver, du nord au sud, émerveillées. Mais ça fait des années que je dis ça, je ne sers plus. Parce qu'il y a maintenant la voie canonique, on reste vraiment avec une grande douleur dans le cœur. Mais nous travaillons pour Dieu et pour la Vierge Marie. Ceux qui veulent rester, qu'ils restent, même s'ils sont peu, nous sauverons la foi. En fait, nous l'avons déjà fait. Pour ma part, je me sens déjà arrivé à une bonne partie de ma mission. Parce que si pendant ces 8 années, je n'avais pas crié, agi comme un rustre, un grossier, un possédé, tout ce que vous voulez, pour tout le monde, Bergoglio aurait été le pape. Pourquoi enlever tant de monde et frapper du poing quand on mentionne Don Minutella? Parce que c'est le premier adversaire. Ils l'ont compris là-bas et les idiots de la première heure s'en vont. Là, ils ont compris que Don Minutella est le concurrent. Don Minutella est l'antagoniste. Don Minutella est l'élu. Don Minutella est l'envoyé de la Vierge. Lui, nous devons le détruire. De lui, nous devons enlever les gens. Ne parlez pas, mais parlez-en. Faites des procès, inventez des histoires, jetez-le en prison, empoisonnez-le, éliminez-le, faites-le passer pour un monstre, on n'y arrive pas. D'accord. Alors, envoyons des agents sous couverture, présentons une autre vérité à la sauce Minutella, afin que les gens l'abandonnent. De ce côté, compris, s'il n'y avait pas eu moi pendant ces 8 années, Don Minutella passera à l'histoire comme défenseur de la foi. Avec mes confrères, qui de ce point de vue m'ont sauvé, je dirai plus tard pourquoi. En passant, avant d'ajouter d'autres considérations, je voulais vous rappeler que samedi, nous serons à Cervignano del Friuli,
à 16h30 avec les fidèles du petit reste frioulant. Courage. Maintenant, c'est le moment de nous rassembler. Maintenant, c'est le moment de montrer qui vous êtes vraiment, authentiquement, du petit reste. Les autres se taisent et partent, c'est mieux. Comme des gens idiots. Parce qu'une personne qui écrit depuis le début, qui pendant des années m'a flatté, m'a loué, m'a célébré, même au-delà du nécessaire maintenant écrit, je m'en vais dans Minutella, parce qu'elle n'accepte pas le débat. Mais comment? J'ai proposé qu'on se voit, il dit non, mais c'est moi qui refuse le face-à-face, et elle part. Alors c'est une idiote, ou c'était une intruse, ou il y a un contrôle des esprits, quelque chose de satanique, parce qu'ils invoquent Satan là-dessus, naturellement. Pas besoin de le dire. Alors, les frioulants, qui ne sont pas idiots, je vous attends à Servignano del Friuli. Résistez aux vagues malfaisantes. Et dimanche, en revanche, nous sommes à Graz, avec le petit reste autrichien de langue allemande. À propos du petit reste, je voudrais vous dire que ceux qui s'en vont s'allient. C'est bon? Je n'ajoute rien. Ils écoutent, ah, ils savent. Je sais, je le sais. Il y a une personne, je ne dis pas qui, mais c'est une femme non italienne qui fait ça. Elle parle mal de Don Minutella. Le père Tognetti s'écrit tout de suite au canal du père Tognetti et lui dit que tu as raison, c'est vrai, Minutella est un possédé. Mais moi, je ne suis pas avec Bergoglio, moi non plus. Mais je reconnais Bergoglio comme pape, moi aussi. Pendant qu'on nous mettait en avant parce qu'elle ne reconnaissait pas Bergoglio comme pape, ensuite vient le théologien lombard à dire « ça, ah, tu as raison !» Parce que moi aussi, j'ai fait l'expérience de qui est Minutella. C'est un bâtard, c'est un maléfique, il est possédé par le diable. Je te donne raison, père Lombard, c'est ça. Moi, je crois que Bergoglio n'est pape. Alors, il passe par Tognetti qui lui dit de lui dire. L'important, le liant, c'est la haine envers Minutella. Donc, il passe par le père Tognetti, disons, qui dit que je suis possédé. Alors, moi, père, je te donne raison, je suis ta ligne, mais je suis aussi avec le pape François. Puis Lombard, il n'y croit pas. Alors, celui-là, non, Bergoglio ne le reconnaît pas comme pape. Il reconnaît l'Église, moi aussi. L'important, c'est de s'en prendre à Minutella, des prêtres qui, encore aujourd'hui, se créent de faux profils. Ça m'a été manifesté, je suis resté sans voix. Il trouve le temps de le faire, et c'est moi l'indémoniaque. Vous avez déjà vu un indémoniaque aussi haï? Je ne l'ai jamais vu. L'indémonié, en général, a le pouvoir sur le monde. Alors je dis qu'il se crée des faux profils, certains prêtres, pour m'attaquer avec de faux noms. Et ils font le tour, parce que certains prêtres ont plus d'une certaine orientation qu'une autre. Et je m'arrête là. C'est étrange qu'ils ne soient pas contents. De toute façon, ce que je voulais dire, et je n'ai pas donné de nom, et je n'ai pas donné de nom. Donc chacun pense ce qu'il veut, je sais ce que j'ai dit, et de qui je parle sans dire le nom. Je disais alors, on se voit samedi à Servignano del Friuli et dimanche en Autriche. Il y a encore des places disponibles pour Rome. J'aimerais espérer que le petit reste romain, après ce dernier énième schisme, soit un petit reste sérieux. Je veux dire sérieux, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup parti, mais maintenant, venez à Cassino, 3 ou 4 prêtres là-bas, toute la journée. Ne manquez pas ce rendez-vous, il y a des bus qui partent de Rome. Alors, nous en avons déjà rempli un, l'autre commence à se remplir, mais nous devons faire cette réservation à temps. Donc dépêchez-vous de vous inscrire, beaucoup viendront avec leurs moyens, je comprends, mais combien êtes-vous âgés, etc. Renseignez-vous, c'est gratuit à l'aller, c'est gratuit au retour. C'est nous de l'association qui payons, je suis maintenant enragé. Donc où que je mette la main et touche, ça se transforme tout de suite en dollars, compris? Alors dépêchez-vous de vous inscrire, de manière à ce que nous puissions également réserver l'autre bus. Sinon, nous serons contraints de dire à ceux qui sont déjà inscrits pour le deuxième bus qui n'est pas complet. En fait, si vous appelez, si vous le faites à temps, on dirait qu'il y a un temps fou. En réalité, ce n'est pas le cas. Ok. Alors mettez-vous au travail. Aujourd'hui, je vous le dis, à l'occasion de la fête de Jean-Paul II, qui a dit que nous sommes tous de Rome. Nous nous aimons. Alors revenons enfin au thème d'aujourd'hui, en cette fête de Giovanni Paolo II, le partenariat, le statut et la question sur l'Église. Donc le petit reste n'est pas une réalité. Sectaire, comme ils l'ont dit, comme ils le disent facilement. Un settario est celui qui suit Bergoglio, parce que Bergoglio s'est officiellement schismé de l'Église catholique, d'abord en se faisant élire pape lors d'un conclave invalide,
et ensuite, surtout, en écrivant un évangile qui n'est plus celui de Jésus-Christ. C'est sous les yeux de tous, non? Il faut chaque fois le répéter. Ceux avec Bergoglio à la messe, pas comme Lombard, attention aux sirènes. Mettez-vous des bouchons dans les oreilles, comme le fit Ulysse, sinon vous n'atteindrez pas le salut, comme en effet, beaucoup s'en vont de ce côté. Mais mieux, car on ne peut pas voir à chaque fois qu'il y a des gens qui suivent le premier joueur de flûte. Maintenant, vous verrez, ça va s'arranger comme avec Petite Nazareth, puis le diable en suscitera une autre, et des gens de la première heure résisteront à celle-ci, et après. C'est ça, contre nous. Le partenariat n'est pas une réalité schismatique. C'est un consortium de prêtres diocésains et religieux italiens et étrangers, en ce moment officiellement 6 prêtres, qui présentent une ligne claire. Jusqu'à présent, nous l'avons fait, jusqu'à l'été 2024, de manière orale, sans rien de écrit, à cause du départ inattendu pour tous et surtout injustifié de Père Gebhard, qui a suivi la dernière mystique. Mais je sais qu'il y a aussi des problèmes là-bas parce que certains de ceux de la première heure, c'est un vrai bazar, une situation complètement chaotique. Maintenant, certains de ceux qui étaient enthousiastes m'ont dit, je pense que certains comprennent de qui je parle, c'est pratiquement un de ceux qui étaient enthousiastes. Un homme enthousiaste de ce genre l'a laissé et maintenant il suit ses spiritualités indiennes. Bouddhiste, il est parti par là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Celui qui est avec nous se perd dans le naufrage de la foi, c'est clair. Et l'association s'est dotée d'un statut, non pas comme certains l'ont écrit stupidement, idiotement, parce que nous voulons être une secte, mais simplement parce que c'est une réalité identitaire, de sorte que les prêtres, ce n'est pas un statut pour le petit reste. À propos, nous n'autorisons pas les groupes de prière. Du petit reste, il n'y a aucun groupe de prière autonome. Ceux qui se réunissent en groupe de prière finissent comme ceux qui ont écrit. Je peux plus ou moins vous dire ce qu'ils ont dit parce qu'on reste abasourdi sans mots. C'est quelque chose qui vous laisse sans voix parce que vous vous dites « Mais est-ce possible que les gens n'écoutent pas ?» Alors ceux-ci veulent la cour, par exemple, et ils écrivent qu'une personne fait partie du petit reste pour la foi. Mais il faut étudier des stratégies politiques, non ? Non ? Mais ils ont compris ça. Les politiques, ne pas agir sur un coup de tête, parce que Dominutella agit sur un coup de tête, ils se prennent un coup de tête, si on scie, et faire, ils sont très préparés. Moi, naturellement, avec mes 2 diplômes en théologie, je ne vaux rien. Moi, je vais sur un coup de tête. Il y a d'autres groupes dans le monde. Peut-être qu'un jour, quelqu'un réunifiera tous les petits restes éparpillés à travers le monde. Dans la série Dominutella, tu es une chose inutile, mets-toi de côté pour les autres. Quand vous entendez quelque part, pour une raison ou une autre, un prêtre ou un théologien, une théologienne ou une écrivaine, un évêque ou un cardinal, et ainsi de suite, un exclu et un traître, dire que je dois me retirer, que le problème c'est moi, c'est le diable. Parce que si je me retire, l'œuvre n'avance pas, car la Vierge m'a confié cette mission. Et cela est dit dans le statut, grâce à Dieu, ouvertement. Il y a beaucoup de personnes, un autre message, très préparées dans le domaine législatif, dans le petit reste, qui après avoir prié ensemble dans des cénacles de prière, nous n'avons cependant pas autorisé, et donc nous, prêtres, que valons-nous pour beaucoup de ces laïcs? Qu'il s'en aille derrière le dernier joueur de flûte lombarde, qu'il nous laisse en paix, gens autonomes et désobéissants, qui n'ont pas compris que nous sommes la guide du petit reste sous notre gouvernement. Ils doivent agir comme des laïcs soumis, tout comme les anges sont à leur tour soumis aux anges supérieurs et à la volonté de Dieu. Et rien, dans ces cénacles non autorisés de prière, ils ont prié et compris qu'il faut avoir un choix de type législatif, bureaucratique, rationnel. Et oui, malheureux que vous êtes, malheureux que vous êtes, malheureux que vous êtes, parce que nous sommes illégaux, nous ne connaissons pas le droit canonique, nous agissons sur un coup de tête, compris? C'est ce qu'ils essaient de faire passer. Lis mes livres, tu verras que c'est faux, tant pis.
Vous le méritez. Nous avons donc des doutes sur la manière dont l'œuvre est menée par Don Minutella. Pardon, comment Don Minutella mène-t-il l'œuvre? Voyons. Quels doutes? Personne ne sait le dire. Personne ne. Ils estiment qu'en ce moment, c'est suffisant comme ça. On avance aveuglément par foi et par émotion. Mais quand le moment sera venu, ils évalueront. Je vous invite, je vous ordonne de partir. Exorcisme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Loin du petit reste, Satan. Ces gens sont troublés par le diable. Éloignez-vous du petit reste. Ne nous polluez pas la route. Ne nous gâchez pas le chemin. Partez. Partez, partez. L'offre sortant du petit reste est absolument vaste. Il y a les Cananéens, les Philistins, les Éthiopiens, les Égyptiens. Retournez en Égypte, on peut toujours. Après avoir traversé la mer Rouge, on peut toujours retourner en Égypte pour manger des oignons. Nous entrons là où nous devons entrer et vous allez manger des oignons. Allez-vous en? Cela étant dit, j'aimerais maintenant faire un résumé. Le partenariat est intervenu sans que cela ait été demandé. Il a commencé entre Celestino avec l'homélie de jeudi dernier, vendredi dernier. Puis il est intervenu samedi sans... Répète, je suis menteur pour beaucoup aussi. C'est clair que je mens. Mais les prêtres peuvent témoigner. Frère Celestino est intervenu sans que je demande. Le même samedi, alors que j'étais sur le point d'insérer l'ossuaire, Don Ramon à Florence a demandé s'il pouvait prendre la parole. Il a fait un parcours réflexif extraordinaire qui cloue le dernier pifréo venu pour arracher des numéros, parce que le projet est toujours de arracher des numéros. Et puis en fait, Don Enrico a été invité à présenter le statut, ça oui. Mais le retournement de situation, c'est Don Pavel qui en général n'intervient pas. Aussi parce que je vous rappelle qu'il vient de la République tchèque. Donc il y a aussi le problème du véhicule de la langue italienne qu'il parle pourtant très bien. J'admire vraiment ses confrères non italiens qui comprennent l'italien et même le parlent. Hier, Don Pavel a également fait son intervention. Nous sommes allés à une sorte de, moi je l'appelle cette intervention de l'association avec le statut, une sorte de débarquement en Normandie. Je l'ai défini. Maintenant, demandez à ceux qui sont partis, parce que naturellement, vous tous du petit reste, vous êtes tous des idiots, ignorants, plagiés, des gens inutiles. Alors demandez à ceux qui sont élégants, sophistiqués et raffinés, préparés et cultivés, qui sont partis, ce que je veux dire, par débarquement en Normandie, de la dernière offensive de l'Alliance qui mit en déroute les troupes nazies sur la ligne de feu France, Belgique, Allemagne. Les marques s'ouvrirent, car l'Union soviétique pressait pour vaincre Hitler. Et le débarquement en Normandie a nécessité un déploiement massif de forces militaires dans les airs, avec des parachutistes. Et les avions militaires au sol avec les chars et l'infanterie par mer. Les navires ont débarqué en Normandie. Alors il m'a semblé, justement parce que je ne l'avais pas prévu, surtout grâce à l'intervention inattendue pour moi de Père Pavel hier, que nous avons rendu public, vous pouvez le visionner sur la page de la playlist de Radio Domina Nostra, il m'a semblé que l'intervention de Père Paolo m'a vraiment fait penser à ça. Donc le commandant, c'est moi, a été pris pour cible de manière inattendue, et tout de suite, enfin de manière inattendue, pour moi, les forces alliées sont intervenues, comme il se doit à chaque fois, parce que nous devons nous battre. Et donc entre Celestino vendredi, Don Ramon samedi et hier, Don Enrico et Don Pavel, Père Pavel. Voilà, maintenant je voudrais, juste pour vous faire comprendre, que nous avons tout raconté, en commençant par ce qui a été le programme le plus exigeant hier soir, mais impeccable, extraordinaire, de Don Enrico, autour de la 20e minute. Juste quelques minutes pour ensuite entendre aussi Fra Celestino, Don Ramon et Don Pavel, mais pas pour tout écouter, car c'est évidemment impossible. Mais un extrait de leurs réflexions auxquelles je vous renvoie, car elles sont toutes mises dans la playlist de Radio Domina Nostra. Donc si vous n'êtes pas idiot, restez à votre place.
Ne vous inquiétez pas, car le primat dans la mission n'implique pas l'annulation de nos charismes particuliers. Il y a un charisme fondateur, il y a un charisme fondant qui passe à travers Don Alessandro, mais chaque prêtre vit pleinement son propre charisme. Il vit même beaucoup plus que ce qui se vivait avant. Je continue à lire ces prêtres dans le Sodalizio bénédictin, estime que le petit reste catholique est fondé sur cette mission initiale de Don Alessandro, sans nier qu'il existe d'autres réalités dans le monde catholique qui ne reconnaissent pas comme valides, selon les lois de l'Église, l'élection du 13 mars 2013. Et bienvenue d'autres réalités, disait Moïse. Que le ciel le veuille, qu'ils soient tous prophètes, que Dieu nous envoie d'autres prophètes. Mais attention, attention cependant. Pour cette raison, les prêtres qui se regroupent dans la société sacerdotale mariale reconnaissent comme guide Don Alessandro et se sentent appelés à participer à sa mission prophétique et pastorale afin qu'elle devienne aussi leur propre mission. Au service de l'Église catholique, qui aujourd'hui subsiste dans un petit reste. Voilà, nous nous sentons partie prenante de cette mission que le Seigneur a confiée à Don Alessandro, et nous voulons participer. Le Seigneur nous appelle à prendre part à cette même mission, avec nos charismes, notre tempérament, notre caractère, notre expérience, et ainsi de suite. Mais comme je disais, attention, il y a d'autres petits restes. Voilà, bien sûr, nous avons seulement un extrait de la longue, très intéressante, raffinée, élégante, dirais-je, exposition que Don Enrico a faite hier soir contre toutes les mauvaises langues qui, de manière sournoise et serpentante, lancent cette énième attaque. Je veux clarifier pour éviter les malentendus, car ces choses sont présentées ainsi, et c'est grave que ceux qui savent le fassent. Que Dieu me pardonne d'abord, nous ne sommes pas en train de refonder quoi que ce soit. Il est théologiquement absurde de parler de refondation de l'Église alors que nous sommes en politique, que j'appelle Bertinotti. Mais nous jouons, voilà la vision politique. L'Église, pour des raisons évidentes, quand on est un théologien sérieux comme moi, sait que l'Église ne doit jamais être refondée, réformée. Oui, l'Église est une et une seule, celle que Jésus-Christ a fondée. Donc écrire que, maintenant, ceux du côté des Lombards veulent reconquérir l'Église qui est occupée par les maçons, et nous, au contraire, nous voulons la refonder. C'est une action malhonnête d'un point de vue intellectuel. Pourquoi c'est malhonnête? Parce que celui qui l'a proposé sait que ce n'est pas vrai, sait que Dominutella ne veut pas. Il est sincèrement convaincu plusieurs fois que ce n'est pas vrai que je veux refonder l'Église. Je ne suis pas Luther. C'est facile de me faire passer, hein? Mais ici, il s'agit plutôt de guider le petit reste que les prophéties annoncent, que la Sainte Écriture laisse entendre, que les pontifes ont annoncé. C'est la même personne qui a dit que le numéro 39 de l'Église eucharistique parle de messe invalide. Comment soutient-il maintenant Lombard qui dit que les messes sont valides? Qui les a achetées? Pourquoi s'est-il vendu? À qui s'est-il vendu? Avec qui a-t-il parlé? Qui a réussi à l'éloigner de ce formidable duo? Minutella Hein? On ne le saura jamais, probablement. Dire qu'on veut refondre l'Église, c'est faux. Don Enrico, avec le statut qu'il a présenté hier soir, a été extraordinairement efficace. Merci à lui. Voyons maintenant une partie de la contribution, la première. Évidemment, il était parmi les parachutistes entre Celestino. Il y a un prélude de Don Enrico le 16 octobre, mais en attendant, voyons si la contribution est prête de la régie. Alors attendons pour faire Celestino, mais voyons l'intervention inattendue, toujours hier, toujours à la 10e minute de Don Pavel, qui a célébré la messe à Petite Nazareth Ave Maria avec les fidèles du petit reste local et qui s'est exprimé sur cette question ici avec grande force. Je vous renvoie à toute la sommaire qui dure environ 20 minutes. Voyons juste un extrait. Je dois me poser la question, est-ce qu'il dirige la vraie Église ou non?
surgir d'un coup. Doutes et doutes logiques, théologiquement logiques, faux cartes, fausse église. Si quelqu'un dit que c'est faux pape, mais l'église est occupée, alors s'il faut ajouter, comme l'ont fait mes contrats du Sud ancien, si ça va bien, cette église a ces quatre caractéristiques que nous professons dans chaque profession de foi. Si un prêtre qui a terminé son doctorat en théologie à l'université grégorienne l'année dernière, et enseigne la théologie doit connaître quatre caractéristiques, juste l'Église du Christ-une, sainte, catholique, apostolique. Si l'on va contre l'Évangile, cela ne peut pas être apostolique, car les apôtres ont fondé sa prédication sur l'Évangile, sur la parole du Christ. S'il y a des erreurs présentes dans l'Église du Christ qui augmentent, je ne veux pas énoncer, vous les connaissez, cela ne peut pas être l'Église catholique, cela ne peut pas être l'Église du Christ, parce que l'Église catholique est sainte. Voilà, vous voyez, le passage est selon moi plus significatif. Vous comprenez bien, ou peut-être pas tous. Selon moi, certains devraient, enfin, peu importe, je ne veux pas manquer de respect. Mais je pense toujours à cette fille qui écrit « Je ne suivrai plus Don Minutella parce qu'il ne se rend pas disponible pour un débat. » Tu es malhonnête. Tu es bête ou malhonnête. Je disais, vous avez vu le passage de Don Pavel, très significatif, vous comprenez bien à qui il fait référence, au théologien Dumbard. Il s'étonne à juste titre, en homme sérieux. Le père Pavel s'étonne. Comment as-tu fait? Tu viens de finir ton doctorat à la grégorienne et tu parles comme ça. Comment dis-tu que c'est l'Église du Christ? Et ça, c'est la leçon, père Pavel. L'Église du Christ a quatre notes clés. Une sainte, catholique et apostolique. Où l'Église de Bergoglio est-elle encore apostolique? On écrit un autre évangile copte. Ils font semblant qu'il n'y a pas d'ordination des femmes, mais rouvre la question de la présence féminine dans les églises. Les maçons prennent leur temps, jamais pressés. Personne ne sait répondre. C'est pas l'Église du Christ. Père Pavel est intervenu. Vous pouvez trouver son homélie disponible sur la radio, dans la playlist. Vu Don Enrico et Don Pavel, voyons, frère Celestino, à la sixième minute, j'aimerais expliquer l'Évangile et la première lecture, mais je ne pense pas que je vais le faire parce que nous sommes dans l'Apocalypse. De temps en temps, je fais un bulletin de guerre. Je donne mon avis sur un certain problème interne, jusqu'à un certain point, au petit reste. Ce que je dis n'est que mon opinion, même si je pense ne pas être le seul à penser ce que je dis. Je préviens que je crois à la bonne foi de tous. Pourquoi? Parce que je veux aller au paradis. Jésus a dit, « Ne jugez pas pour ne pas être jugé, c'est-à-dire pour que Dieu ne vous juge pas. » Juger signifie « condamner dans ce cas. » Donc, je ne veux juger personne pour ne pas être condamné par Dieu. Vous faites comme bon vous semble. Si vous voulez aller en enfer, condamnez tout et tout le monde. Cela dit, je dis que les journalistes fassent leur travail. Ce serait bien qu'ils arrivent à écrire en première page de la Repubblica, du Corriere della Sera, de la Stampa, du Messaggero et du Resto del Carlino que Don Rodrigo est un faux pape. Au moins 20 000 des catholiques en Italie disent que c'est un faux pape. Et les prêtres font les prêtres. Les prêtres, s'ils arrivent à reconnaître que Don Rodrigo n'est pas le pape, savent ce qu'ils doivent faire. Les journalistes, s'ils sont là, ne servent qu'à donner le maximum de publicité à l'information. Que doit faire un prêtre qui reconnaît que Don Rodrigo n'est pas le père? Il a plusieurs possibilités. La première est de rester où il est. Évidemment, cette situation ne durera pas longtemps, car les fidèles zélés informeront l'évêque. Et l'évêque laisse faire. Comme il semble que ce soit le cas pour Père Christo ou Père Giuseppe en Roumanie, parce que l'évêque lui-même est très dubitatif sur Don Rodrigo,
ou alors il intervient. Dans le cas de Don Ramon, il a intervenu avec l'excommunication la plus rapide de l'histoire, 24 heures ou même moins. Lorsque l'évêque intervient comme un pantin de Satan, le prêtre ne doit pas être pris au dépourvu. Il doit se trouver un arrangement. Mais c'est un problème technique facile à résoudre. Le plus gros problème, c'est avec qui faire équipe. Étant donné que les prêtres qui ne reconnaissent pas Don Rodrigo sont désormais des milliers dans le monde, diverses hypothèses, certains s'associent avec une prophétesse. Je ne voudrais pas être à leur place. Certains s'occupent de leurs affaires, comme je le sais, Don Enrico Roncalia et l'autre Allemand ou Croate qui célèbre dans les collines de Vicence, et beaucoup d'autres à travers l'Italie et le monde, beaucoup d'autres. C'est un bon choix. Si leur conscience les laisse tranquilles, c'est le choix de rester calme sans aucun problème. Je le ferais volontiers aussi si ma conscience me le permettait. Le problème, c'est que l'Église n'est pas un archipel, c'est pas un ensemble d'îles. Cependant, dans la confusion actuelle, je ne me sens pas de condamner de tels prêtres tant qu'ils attendent une autre solution à court terme. On ne peut pas penser que 412 000 des prêtres dans le monde fassent 412 000. Il faut cependant dire que cela... Voilà, c'était une partie initiale de l'homélie de Frère Celestino qui a tant irrité le théologien lombard pour lequel nous avons dû nous excuser. Pensez un peu, seulement si on s'excusait, il était prêt, dans l'esprit évangélique, à parler avec nous. D'abord, on s'est excusé et demandé un débat, mais rien, il n'était pas dispo. L'homélie de Sver Celestino est intéressante parce qu'elle est décourageante, dans le sens où il dit à juste titre aux prêtres qui ne veulent pas rejoindre le sodalis qu'ils ont raison si leur conscience leur suggère cela. Et il ajoute que malheureusement, leur conscience ne le permet pas. C'est intéressant ce passage qui n'est pas négligeable. Et puis il dit qu'il y a beaucoup de prêtres dans le monde, plus de 400 000, et nous ne sommes que 6. Voilà. Et puis vous écouterez toute l'homélie si vous ne l'avez pas encore fait. Manque à l'appel, j'avais dit Don Ramon que je veux laisser pour la fin, mais il est obscurci au début de le dire. Mais seulement parce que justement, le temps est toujours tyrannique. Le père Johann s'est pourtant intervenu avec son style toujours si élégant et respectueux. Dimanche dernier, dans le sermon, nous avons la contribution, je pense qu'elle est déjà prête de la part de la régie, et montrons à la minute 5 ce que disait le père Johannes. Voyons si la régie est prête avec la contribution. Voyons Don Ramon à la minute 10. Tout cela, comme je le dis encore, est possible de le regarder en entier, en détail. Chacun des prêtres du Sodalis est intervenu vraiment comme un débarquement en Normandie, à ce moment où tous, sans que je l'aie demandé, ont compris que c'était un moment délicat, je pense que nous le traversons avec les idiots qui s'en vont. En attendant, voyons la contribution sur Don Ramon, qui je crois a été l'homélie, la réflexion la plus significative, la plus emblématique. Je ne serais même pas réduit à l'état laïque, mais je serai certainement contraint de répondre à ceux qui le souhaitent. Cependant, cela a été la première mesure disciplinaire. Il n'y a eu aucune réprimande parce que je n'ai pas trouvé dans cette conversation un supérieur, mon supérieur direct, qui m'a montré de l'hostilité comme tant d'autres supérieurs et tant d'autres êtres, et donc ils ne manifestent pas cette hostilité parce qu'ils ont compris la situation. Alors il faut dire au père Faret que de fait c'est la première mesure. Donc elles ont vraiment été publiées en moins de 20 à 40 heures. Nous avons voulu représenter cette partie où Don Ramon disait qu'il se réfère aux théologiens lombards,
mais lui aussi fait des affirmations inexactes et personne ne te présente des excuses. Maintenant, nous allons dans une partie encore plus approfondie de la réflexion de Don Ramon. Parce qu'il faut rendre les gens heureux, il faut obtenir un consensus. La beauté de Don Alessandro, mais ce n'est pas un fait que nous connaissons. La beauté de Don Alessandro, c'est que comme le dit l'Évangile de demain, comme le disent les pharisiens à Jésus, tu es quelqu'un qui ne regarde pas aux apparences, tu ne regardes personne en face. C'est un Christ, merci. Ne regarde plus un parcours, c'est la garantie de l'authenticité d'un parcours qui a un début et qui aura une fin, mais qui ne sera pas dicté par des logiques humaines, canonistes ou juridiques. La fin est la juridique. Les gens se sont enflammés là, dans le salon qui était plein à Florence. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à écouter en entier la réflexion de Don Ramon, qui dénonce l'hypocrisie de ceux qui ont fait croire à un coming out en notre faveur, piégeant en réalité le journaliste de son côté, et avec lui, tous ceux qui manifestement étaient avec nous mais n'étaient pas des nôtres, qui estime que la solution est uniquement canonique, avec donc une vision unilatérale qui devrait également être condamnée. Parce que, excusez-moi, si nous sommes condamnables selon ce qu'ils disent, mais ce n'est pas le cas, la vision est seulement prophétique mystique, mais ce n'est pas ainsi. Car il y a en revanche un excellent primat en ce qui me concerne, l'idéologie systématique. La vision de ceux qui veulent suivre la voie canonique est aussi unilatéral. Donc je veux dire qu'on va jouer ça à la fin, un à un, pas la centro. Nous, disqualifiés, on ne comprend pas où ça mène. Ils vont manifestement s'y mettre à l'étudier. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un du Vatican qui flirte avec eux et qui est venu créer ce schisme, qui cependant ne parvient pas à obtenir le désengagement qu'ils espèrent. Désespéré. Le numéro un à éliminer, c'est Don Minutella. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive d'aucune manière. Je veux comprendre cette solution canonique. Don Ramon réfléchit. Je vous invite à revenir au passé. Il faut trois cardinaux, quelques-uns nommés avant Vergo. Si je ne suis pas idiot, et je crois que non, j'ai deux diplômes où j'ai étudié le droit canonique. Les archives gardent mes notes et la colère de mes camarades, car j'avais toujours 30 et félicitations sur Maculot et tous les cours de droit canonique. Voilà, cela pour dire que je m'y connais un peu aussi, cher journaliste et cher père Lumbar, moi aussi je m'y connais en droit canonique. L'idée malhonnête que vous avez fait passer d'un Don Minutella de ventre, émotif, qui ne comprend pas les choses de l'Église. Ça me fige comme des faux. Désolé, mais c'est comme ça. Et il est inutile que vous utilisiez des mots mielleux que l'on vous a suggérés pour être des gentlemen, car cela s'oppose également à Don Minutella du point de vue de la forme. Je suis passionné, mais oui, je serai passionné, mais Santi Pavel, discutons des choses que je dis, parce que sinon, vous n'êtes pas honnête. Je voudrais quand même savoir que devraient faire ces trois cardinaux nommés avant Bergoglio. Quand et quoi? Quand? Il s'est écoulé presque 12 ans. En février 2025, cela fera 12 ans, pas un jour, pas une année. Avec tant de promesses et tant de doutes présentés, cela fait 12 ans. C'est déjà tout simplement honteux. Et donc quand? Évidemment, je l'ai dit au journaliste concerné, et lui, s'il est honnête, doit en témoigner. Il ne suffit pas d'élégance et de distinction. Dire « faisons comme si de rien n'était » ne suffit pas. Je ne m'en prendrai jamais à Don Minutella. Et non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Car quand tu dis que je veux refonder l'Église, là tu t'en prends à moi. Là tu t'en prends à moi. Et alors, j'aimerais savoir ça. Est-ce vrai ou non que je t'ai dit, pas mal de fois, au téléphone,
Je suis prêt jusqu'au conclave. Parce que quand ces cardinaux de nomination pré-bergolienne entreront en conclave, ils ne seront plus crédibles. Tant que tu m'as dit, lors de notre dernière conversation, qu'il peut y avoir une conscience erronée, tu te souviens, cher journaliste ami, tu resteras ami dans mon cœur, que je me suis fâché. Mais j'ai dit, mais comment conscience erronée? Mais je suis des idiots. Mais tu les prends pour des idiots, inconscients de ce qui se passe. Tu crois encore qu'ils entrent en conclave? Mais que veux-tu sauver avec un autre code supplémentaire? Donc, ils se réunissent en conclave. Donc, nous attendons aussi, espérons, et l'accusation que nous avons schismée pour éviter la voie canonique est fausse et malhonnête. Parce que le docteur Xionxi sait que je lui ai dit plusieurs fois que si les cardinaux devaient faire cela, nous prions, il le sait, alors pourquoi ne le dit-il pas? Pourquoi il ne parle pas? On prie pour que ça arrive, je lui ai dit que ça n'arrivera pas. Mais nous prions pour que cela arrive, que les cardinaux puissent résoudre. Alors nous nous mettrons à genoux et nous remercierons par le chant du Te Deum ces cardinaux qui se sont donnés du mal. C'est bon? C'est évident. C'est tout à fait évident. S'ils s'y mettent, que faire? Désolé, ils devraient admettre que le pape est gêné et qu'on tient à Maurice Laetitia. Shapi, parce que du point de vue canonique, c'est tout. Et qui touche au dogmatique, théologique, doctrinal. Laissons l'installation telle qu'elle a été organisée sans interruption pendant ces 12 années. Vous comprenez l'échec dans lequel sont tombés aveuglément le théologien lombard et le journaliste romain. Je suis désolé, mais je dois défendre la vérité sans manquer de respect. Je ne pense pas que je manque de respect. Il est donc évident que la voie canonique n'est pas la seule à suivre. Il est possible que Dieu, puisque l'Église lui appartient, si le docteur Xionxi le laisse faire, il se pourrait qu'il y ait d'autres voies qu'il a choisies. Et les prophéties le disent, même la Sainte Écriture le dit. C'est possible, docteur Xionxi, que vous changiez d'avis et disiez oui, Don Minutella a raison, théologiquement, pas comme personne. Je ne peux pas lui donner raison car je l'aime bien, je le respecte, et on a bossé ensemble. J'ai fait une erreur. L'aura-t-il? Où veut-il sauver l'Église? Désolé, s'il veut sauver l'Église, nous, par charité, nous suivons notre propre chemin. Aura-t-il l'humilité, le docteur Xionxi, de reconnaître que l'Église n'est ni sienne, ni mienne, ni celle de Jésus-Christ, et qu'il peut décider de la sauver comme il l'entend ou pas? Suivre la voie canonique. La voie canonique n'est pas la seule voie dans l'Église. Ce que je veux dire, c'est que d'utiliser le légalisme juridique comme si c'était la seule voie pour résoudre une question qui est en réalité surnaturelle, le docteur Xionxi ne se rend pas compte qu'il y a le diable au Vatican, mais vous vous rendez compte qu'il y a Satan au Vatican ou non? A-t-il réalisé ces années? Il n'y a pas que le pape François qui n'est pas le pape, juste un antipape. Comment ne l'avez-vous pas remarqué? Maintenant, elle trouve le cheval de Troie avec le père Lombard et c'est fait. Donc elle l'invite tout de suite à la messe. Et je dois croire que vous ne vous étiez pas mis d'accord. Je ne sais pas, j'en doute. Je vais me confesser à ce sujet. Mais j'en doute, elle ne m'a jamais invité à une messe pour la célébrer. Manifestement, le sous-bois Xionxiano que je connais bien, anti-minutelliano, a prévalu sur les bonnes intentions du docteur Xionxi. Et pourtant, nous sommes ici. Comme vous le voyez, nous réagissons unis, compacts, comme une équipe qui ne tolère pas la falsehood, la malhonnêteté et la confusion. Alors ceux qui veulent partir, partez, suivez la voie, vous verrez, impasse. Voyons la dernière intervention de Père Johannes, quelques minutes, et ensuite nous terminerons avec les appels. Prêt? Non. Et Ticonio entend cette apostasie, cette apostasie, ce départ n'est pas causé par des infidèles qui quittent l'épouse du Christ, mais par l'épouse du Christ qui s'éloigne des infidèles en son sein. Donc, pas seulement les infidèles qui se retireront, mais les vrais croyants qui s'éloigneront du mal dans l'Église.
Ce ne sont pas les infidèles qui se retireront. Le père Alessandro l'a expliqué hier dans son commentaire sur la position concernant le docteur Xiongqi et le père Faré. Don Ramon a fait un beau discours qui parlait de ça. Si nous faisons un pas en avant, nous pouvons dire, je crois, d'une manière géologiquement correcte, que ce grand schisme entre la vraie Église et celle qui est fausse ne peut se produire que si c'est le pape lui-même, guidé par l'Esprit Saint, qui accomplit ce schisme dans la foi. Et puis c'est aussi logique. Voilà, vous voyez, toutes ces contributions, du dernier père Johannes, en passant par frère Celestino, don Ramon, don Enrico et don Pavel, vous les trouverez disponibles sur la playlist de Radio Domina Nostra, afin que vous ayez une idée qu'il y a une équipe qui combat unie, que nous avons réagi comme il se doit à cette énième attaque inattendue et injustifiée, et dans laquelle, comme on me l'a déjà dit lors de la rencontre d'hier, le fossé se clarifie de plus en plus. À la fin, c'est beaucoup de bruit pour rien. Continuez d'aller aux messes avec le pape François. Elles sont valables. Les sacrements sont valables. C'est juste le problème qui n'est pas le pape. On le résout en termes canoniques avec les cardinaux. Quand Dieu le voudra, les cardinaux s'occuperont de ça et laissez de côté la mystique du pain et du jambon. Bien, répondons au premier appel. Espérons que ce soit clair une bonne fois pour toutes ce que nous vivons. Quelque chose de bien ridicule à dire. Je suis désolé pour le docteur Xiongqi. Comprennent et disent qu'il doit continuer avec Don Minutella. Les deux choses avancées ensemble, la dimension canonique et la dimension à part, le fait que je n'ai pas perdu celle canonique comme lui, n'a pas perdu celle mystique. Il a parlé du théologien qui évoque une scission de l'Église de Satan que l'Église du Christ laisse émerger, de Tychonius. Ce n'est pas moi qui en ai parlé. Pourquoi m'a-t-il fui? C'est moi, mais je devais le faire à la lumière du fait qu'il a soutenu les thèses du père Lombard, qui pour nous sont absolument inacceptables.